Allez, salut tout le monde, c'est LB Pokémon et on se retrouve aujourd'hui et encore aujourd'hui. Je tente deux épisodes aujourd'hui pour le 12e épisode de notre let's play sur Pokémon version Perle. Alors, la spéciale aujourd'hui, j'ai décidé de faire un deuxième épisode, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, ça peut. J'ai pas fait d'épisode pendant plusieurs semaines, du coup je me rattrape. Et deuxièmement, finalement je me suis dit que les ressorts de la route que j'ai pas fait, là, je pourrais les battre pour faire monter le niveau que notre alors. Voilà. J'ai décidé de continuer. Donc dans cet épisode, on va s'attaquer à l'arène d'Union Police. On va y aller de ce pas. Il y a la pancarte. Reine Pokémon Unipolis, champion Chimera. La reine de la danse du rythme. Allez, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Question 3 plus 5, 3 plus 5 plus 7 égale 12, 16, 15. Ah, c'est des maths. 8, ça fait 15. On va aller là. Ah! Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, les gens. L'écran est devenu tout doré tout d'un coup. Il n'y avait pas de lumière, quoi. Voilà, on a bon. Je sais pas ce qui s'est passé, désolé. Alors voilà. Alors, 12 plus 28, 30, 40, 50. Là, ça fait 40. Très facile. On va continuer. Question 3 x 13. Ça peut être 39, 93 ou 33. Bah, c'est que des maths en fait. C'est facile. Du coup, je pense que dans les portes où on répond faux, ça doit être des dresseurs. Enfin, je pense. Parce que là, j'en ai pas vu pour l'instant. Alors, la question de la salle 1, bah, c'était 15. Et on arrive déjà devant la championne, bah dis donc. Oh non! Putain, pourquoi ça fait ça? On a un problème à caméra ou quoi? Désolé les gens, mais pas pourquoi ça fait ça. Bon, le cœur va les défier. Oh, enfin te voilà, darling. Depuis mon arrivée dans ce country, j'essaye de progresser chaque jour. Je vous concours dans cette ville, je me dis Marvelous, je vais gagner. C'est pourquoi j'ai choisi cet habit, ces paillettes, show business. Sinon, j'étudie Pokémon très dur, j'ai réussi à devenir champion d'arène. Et on dirait que tu vas me défier, mais je remporterai la victoire. C'est le travail du champion d'arène, il t'adite. Désolé, mais je suis pas très bon anglais, du coup, voilà. Oui. Cinquième badge, les gens. Ça commence avec un gros drive.
Ah putain, non! Pourquoi que ça bug comme ça? Alors, je mets Spiriton en premier pour cette arène parce qu'il est bien. Il est avantagé contre eux. Ah! Ça va marcher ton Lilliput parce que Fang s'arrête jamais. Oh, les dégâts que je lui fais! Tu prends cher, mon gars! Et voilà, KO. Un magie rêve, bon, on va pas changer. On va refaire une feinte. Ça va. Je prends en tant qu'un deuxième de ça. Putain, j'aurais pu le one shot là. Attends, là, je vais faire un beau jeu. Là, refaire magique. Normalement, je le tiens. Je le tiens normalement. Oui, je le tiens. Et je rate pas Ethno, super. Je vous explique le truc. Je vous explique. Comme il est endormi, il va pas pouvoir m'attaquer. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour me regain. Et après, je pourrais le tuer sans qu'il me fasse chier. Allez. En espérant qu'il se réveille pas au tour suivant, parce que sinon... Pour le finir, on va faire un vent mauvais. Comme ça pourra éventuellement nous faire monter nos stats. Voilà, bon, là, on a pratiquement gagné parce que Magiré, c'est son Pokémon le plus chiant. Voilà, on a battu le Magirève. Par contre, je me souviens plus que c'était le dernier Pokémon. Bon, ça va être facile aussi, je pense. C'est un ectoplasma, ben, dis donc. C'est envoie du lourd, hein. Trois formes évoluées. Oh, il nous faut 34 quand même, hein. Au ciel que se passe-t-il, c'est déjà mon last Pokémon. On n'a pas augmenté nos stats avec des vrais rêves, mais quand même. Oh putain, mais au pire j'aurais pu faire Hypnose plus des vrais sur lui, qu'il est poison. J'y ai pas pensé. Et là, ça aurait été tellement plus simple de l'avoir. Au pire, c'est ce que je vais faire. M'assurer la victoire. Ah yes. Yes mon gars. Par contre, si je veux que de me blesser, ça va. Ah, mais il est bête. Pourquoi tu m'attaques pas? Et moi, je rate pas Hypnose. Mais il joue mal quand aussi, pour dire. Il joue mal. Allez, dévore rêve. Comme ça, non seulement je le bute, mais en plus, je me regaine. Le tout en un. Et là, normalement, t'es mort, mon gars. Parce que l'ectoplasma, normalement, c'est pas un Pokémon très résistant. Ah, si. Enfin, physiquement, je crois qu'il est pas résistant. Par contre, en défense P, je crois qu'il est moyen. Ne jamais abandonner, ni se rendre. Allez, t'es dans la merde. Tu te réveilles pas, nickel. Et hop! C'est fait. On va l'avoir, notre cinquième badge.
Ta puissance est fantastique. Je comprends pourquoi j'ai perdu. Et... J'ai stupéfié. Vraiment très très fort. Tu as des Pokémon very étonnants. Une puissance gigantique. Tu as bien mérité ce badge d'arène. Et voilà, cinquième badge. Ce badge permet d'utiliser la capacité secrète Surf outside du combat. Tu peux also te servir de cette technique. Ouais, je crois. C'est quoi la capacité? Non, c'est la CT65, elle contient une griffe ombre. C'est une capacité très fractining. Là, critique. Allez. Ah, par contre, on va devoir se retaper tout le long chemin. Excusez-moi si j'ai des problèmes de caméra, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi c'est tout éclairé. Je sais pas pourquoi ça fait ça, les gens. Je suis désolé. Du coup, voilà. En fait, avec tout ce que j'avais aujourd'hui, je me suis dit que je vais faire deux petits épisodes pour un grand épisode. Mais bon, si je fais comme j'avais fait pour la fin de Vestigion, ça va plus être cool là. Voilà. Oui, Cynthia là. Quel plaisir de te voir, c'est pas facile de te retrouver. La mamie m'a parlé des demandes de Celestia. Merci pour ton intervention dans les ruines. Mais la Team Galaxy, je les avais pris pour une bande de zinzins excentriques. Tu sais, leur histoire de créer un nouvel univers, tout ça. Sans parler de leur costume de clown. Enfin bref, je les croyais inoffensifs. On dirait qu'ils sont bien plus méchants que je ne le croyais. Enfin quoi, voler des Pokémon pour les parquer, c'est scandaleux. En fait, tu les as trouvés intéressants, les ruines. Si c'est le cas, tu devrais visiter la bibliothèque qui se trouve à Joliberge. Ils ont des vieux bouquins qui pourraient t'intéresser. Cela pourrait également t'aider à compléter ton Pokédex. Vraiment, je te conseille d'y aller. Bon, à la prochaine. Voilà. Bon, bah, les gens. Voilà, on a obtenu notre cinquième badge d'arène. Et comment dire, bah. Je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin, vous allez me dire que j'ai fait deux épisodes vraiment de courte durée, mais bon. Moi, j'aime bien faire l'arène dans un épisode. Et du coup, voilà. Dites-vous quand même que j'ai fait deux épisodes en une journée, c'est pas mal. Donc là, je vais sauvegarder. Du coup, hors vidéo, je ferai évoluer le Knotor en Gastrono parce que j'ai besoin de surf après. Et je ferai également monter en équipe de niveau pour le prochain champion, tout ça. Donc, c'est ainsi qu'on va s'achever ce mini-épisode. Likez-le s'il vous a plu. Activez la cloche pour suivre mon let's play. Donc, dans le prochain épisode, on ira défier le sixième champion. Allez, c'était LB Pokémon. Bye à tous!